What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. On se retrouve donc au niveau des téléphones en fait avec l'iPhone low cost qui se confirme, parce que je vous en ai déjà parlé mais ça s'est pas confirmé. Et d'ailleurs c'est toujours pas confirmé si vous voulez qu'est-ce que c'est qu'un iPhone low cost. Donc c'est un iPhone qui sortira avec l'iPhone 5S ou l'iPhone 6 puisque maintenant on commence à avoir des doutes. Mais si vous voulez ça va être un iPhone à part puisqu'il sera en plastique tout ça et low cost en fait en anglais qui veut dire pas cher en fait, si vous voulez ce téléphone là, cet iPhone là en fait sera beaucoup moins cher que, bah, que les autres iPhones. Ils seront environ à 200-300 euros si je dis pas de bêtises, et donc ils seront en matière. Donc on a eu d'ailleurs encore des nouvelles images, donc tout ça ça se confirme, c'est pas encore officiel mais ça se confirme, on commence à avoir encore plus d'images tout ça au niveau des coques, au niveau de l'intérieur de la machine. Et donc si vous voulez qu'est-ce qu'il va avoir de nouveau, alors c'est vrai il va pas avoir beaucoup plus de nouveau, c'est juste en fait que ça sera en plastique, si vous voulez il sera plastifié, ça sera pas comme les autres iPhone tout ça où c'est une autre matière. Ici ça sera vraiment une matière beaucoup moins chère puisque ça sera du plastique, ça va beaucoup ressembler en fait finalement si vous voulez ou faire une grande concurrence avec tout ce qui va être Samsung Galaxy parce que eux aussi sont, enfin c'est à peu près la même matière si vous voulez. Et comme on peut regarder au screenshot, bon on peut apercevoir donc trois nouvelles couleurs comme le vert, le rouge et le jaune. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il y aura pas mal de couleurs, je crois qu'il va avoir environ 5 couleurs, mais bon tout ça c'est pas officiel donc ça n'a pas été encore confirmé, mais ça va être confirmé très prochainement puisque les sources commencent à remonter de plus en plus. Et puis je pense honnêtement que l'iPhone low cost sortira en fin d'année, en tout cas je l'espère, parce que c'est vrai que ça risque de donner pas mal au niveau des ventes en fait de chez Apple. La façade verte, l'intérieur de celle-ci semble correspondre aux différents composants donc d'Apple que l'on trouve sur la dernière génération d'iDevice. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la carte mère qui avait fuité la semaine passée s'emboîte donc parfaitement à l'intérieur comme le prouve le montage. Donc si cette carte mère lui est également destinée, les façades avant avec la nouvelle connectique que l'on a aussi vu, blablabla, lui sont également destinés, ce qui pourrait donc remettre en question l'arrivée d'un iPhone 5S. Ce n'est qu'une hypothèse, mais nous avons déjà vu beaucoup de preuves concernant l'arrivée de l'iPhone 5S. Donc ça, c'est simplement pour vous dire que on a pu aussi voir l'intérieur de la machine, donc qui pourrait correspondre en fait à l'iPhone low cost, aux iPhone low cost en fait, et pouvoir reconstituer tout ça. Donc en gros, c'est vrai que ça va arriver très prochainement et on a des nouvelles couleurs en ce moment même, mais on n'a pas encore réellement d'informations à propos des caractéristiques. Voilà, ça a été une petite vidéo informative. Moi, honnêtement, c'est vrai que ça me donne beaucoup envie de l'acheter. C'est vrai, pourtant, là, j'ai l'iPhone 4, mais quelque part aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai kiffé, vous savez, la petite matière plastique, tout ça, et la façon dont ils vont procéder à créer l'iPhone low cost. Je trouve que ça peut être vraiment kiffant, en plus juste les différentes couleurs, c'est vrai que ça donne un petit envie. Mais après, est-ce que ça sera plus puissant, est-ce que ça sera moins puissant? Je pense que ça sera moins puissant qu'un iPhone 5S puisqu'il sera beaucoup moins cher. Ça va plus être une ressemblance, je pense, à un iPhone 4 avec les mêmes processeurs, je pense. On verra comment ça va se procéder à 5, on verra comment tout ça va marcher. Mais voilà, donc je vous dirai en fait très prochainement dès qu'il y aura les infos à propos de ça, et pour voir, et même si c'est officiel, pourquoi pas aussi de vous le faire, de vous le dire tout de suite. De mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. Merci de votre soutien et tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis je vous dis à la prochaine. Juste avant, n'oubliez pas de bloquer ma page Facebook personnelle. En plus de ça, j'ai créé une nouvelle page Facebook pour mes gameplays, tout ça. Donc si vous voulez me suivre juste pour mes gameplays, vous avez juste à liker cette page là. Comme ça, vous êtes dans mes actualités à propos des gameplays. Merci encore pour tout. Que je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.